Bonjour à tous les aliens, mon nom est Spike. J'espère que vous allez bien, parce qu'on parle, les gars, ça va super bien. Comme d'habitude, super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers de jeu. Du coup, alors on va directement commencer avec ces informations super super intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si celle-ci vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on va y aller directement maintenant. Alors maintenant, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo. Bien évidemment, ici, voilà, je vous affiche le nouveau pass de combat annuel qui est disponible au prix de 7800 V-Bucks. Il va bientôt arriver dans la boutique. Voilà, on a encore trouvé des fichiers du jeu qui disent qu'il arrivera aux alentours du nouvel an. Du coup, super, super intéressant. Je vous rappelle simplement que vous n'avez qu'à payer 7800 V-Bucks et que tous les passes de combat de l'année 2020 vont être débloqués instantanément. Et aussi, vous aurez 25% du pass de combat qui sera tout simplement débloqué. Du coup, super, super intéressant. Bien évidemment, vous aurez aussi des petits items et des skins super. Du coup, une offre vraiment très 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 tentante. Du coup, franchement, n'hésitez vraiment pas à sauter sur l'occasion dès que celui-ci va sortir. Alors maintenant, je tiens simplement à vous afficher une petite image assez intéressante de plein de skins de Noël qui vont arriver. Du coup, les trois premiers au centre, eh bien, ils sont déjà arrivés, mais il y a encore deux petits skins sur les extrémités qui ne sont pas arrivés du tout. Du coup, franchement, super, super intéressant. Ils vont sûrement bientôt arriver dans la boutique. Du coup, franchement, très, très, très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je les trouve super beaux, surtout celui à gauche. Franchement, vraiment un coup de cœur. Donc ensuite, une information aussi assez intéressante, je vous affiche un petit tableau ici, voilà, de toutes les armes qui vont bientôt revenir dans les jours à venir. Vous savez très bien que pendant les 14 jours de fête d'hiver, eh bien, il y a une arme par jour qui est plus patchée, voilà, tout simplement une arme qui était patchée et qui revient dans le jeu. Et voilà, ici, ça vous indique horizontalement dans l'ordre les armes qui vont bientôt revenir. Du coup, franchement, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et justement, en parlant des armes non patchées, eh bien aujourd'hui, il y a tout simplement la grenade à propulsion qui va revenir. Du coup, voilà, je vous l'affiche ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, normalement, elle était là déjà depuis la saison 10, je pense, ou la saison 9. Enfin, je me souviens plus trop. Je pense que dans la saison 10, elle était là. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, c'est l'item du jour qui va revenir. Et demain, il y en aura un autre qui était affiché dans le tableau. Du coup, voilà, ici, assez intéressant. On continue avec une espèce de petite variante de skin qu'on a trouvé dans les fichiers de jeu. C'est une variante du skin billard, voilà, tout simplement. En fait, c'est assez intéressant, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Ça veut tout simplement dire que bientôt on aura tout simplement des défis supplémentaires pour gagner des variantes de skin et même des XP. Du coup, assez intéressant pour toutes les personnes qui veulent faire le niveau 100. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle, toujours des XP en plus, ça fait toujours plaisir. Alors évidemment, une nouvelle qui va faire plaisir à énormément de personnes qui aiment bien jouer ensemble chez eux, c'est tout simplement l'arrivée de l'écran SAD. Voilà, je vous affiche ici le petit trailer. Du coup, voilà, une nouvelle assez intéressante, quelque chose qu'on attendait depuis vraiment longtemps, longtemps et que je vous avais déjà leaké il y a super longtemps dans une vidéo. Du coup, franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir un petit peu que ça arrive maintenant. En tout cas, enjoy, franchement, amusez-vous bien. Alors maintenant, avant de terminer cette vidéo, je tiens simplement à vous présenter le skin qui a été introduit par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit bien évidemment enfin du skin Kylo Ren. Voilà, celui-là, on l'attendait énormément, énormément. Il y a plein de personnes qui disaient qu'il ne sortirait jamais, etc. Mais enfin, il est sorti. Et aussi un autre petit skin Star Wars que je vous affiche ici. Du coup, voilà, une boutique très, très, très chargée. N'hésitez pas à sauter sur ces occasions si jamais vous voulez obtenir ce skin assez rare. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tous ces petits leaks du chapitre 2 de Noël, de Star Wars, etc. vous ont fait plaisir, parce que moi j'aimerais énormément de voir un petit peu ce pass de combat de l'année 2020 arriver. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas, franchement j'hésite un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu si ces informations vous ont plu. Et bien évidemment, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous savez très bien que toutes les informations de leaks et de news s'y trouvent. Du coup voilà, si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, si vous ne voulez jamais louper des fichiers du jeu, etc. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information de leak et de news sur ma chaîne YouTube. Du coup, voilà, c'était Speak Easy. Je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur Fortnite. À la prochaine, les aliens!